Bonjour Henri. Bonjour. Alors Henri, merci de nous recevoir à la 13e convention Actualis, qui s'avère être un beau succès, parce qu'il y a beaucoup de monde, des tables rondes très intéressantes, des participants divers, très belle qualité. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ? Oui, en effet, Mario, les défis du patrimoine, maintenant c'est la convention, c'est les défis du patrimoine, c'est la 13e édition. Cette année, on a organisé la journée sur le format de 8 tables rondes, avec différentes thématiques qui interpellent et que les CGP s'interrogent. Donc ça allait sur la macroéconomie, les allocations d'actifs, l'immobilier, l'aspect assurantiel, l'évolution de l'offre assurantielle, la gestion alternative. Tous les sujets étaient abordés de manière à répondre aux attentes de nos invités. Alors on a vu des partenaires autour des tables rondes qui ne sont pas partenaires justement d'Actualis, me semble-t-il, tout comme on a vu des CGP qui ne sont pas non plus partenaires, ce qui montre un esprit d'ouverture intéressant chez Actualis. Je suis très très heureux, Mario, que tu me poses cette question. Je pense que tout le monde ne sait pas ce que fait Actualis. Actualis a deux démarches. Elle a une démarche pour ses adhérents, donc on les aide, on l'accompagne, on fait du développement. Et par ailleurs, elle a également la mission, j'allais dire, de mieux faire connaître la profession, et de faire bénéficier tous les acteurs qui sont autour de nous auprès des CGP en dehors du périmètre de l'association. C'est quelque part un enrichissement pour tout le monde que chaque acteur puisse à un moment donné échanger et partager. Eh bien, c'est magnifique, Henri, continuez comme ça avec cet esprit d'ouverture qui fera avancer la profession le plus loin possible. Merci. Merci, Mario.